Marrakech du Rire, il y a quelques années, ça c'est Malik qui me l'a rappelé, ouais, quand j'avais fait un sketch qui s'appelait Mustapha McDowell. Il jouait un personnage sur scène qui s'appelait Mustapha McDowell, et je trouvais ça déjà tellement drôle. Il était en combinaison moulante, dorée, avec une perruque, des cheveux longs, et il se prenait pour un artiste sur scène. Tu faisais quoi, un artiste? C'était un mec qui peignait en écoutant de la musique, c'était un performer, quoi. C'était un happening américain, Mustapha mais qui était mi-marocain, mi-américain. Mustapha McDowell, c'est avec Jamel et l'équipe du Marrakech du Rire. On avait écrit ce spectacle, enfin ce sketch, je m'étais énormément marré. Et il y a une très bonne ambiance au Marrakech du Rire. Je ne sais pas si vous avez déjà été invité. Non. Si ce n'est le cas, nous allons s'en occuper. Vous allez voir. Merci. Laissez-nous vos noms, prénoms et cartes de visite. Et non, carte vitale. Je me suis approché tout doucement. J'étais bon. Tu sais, quand tu croises quelqu'un, une grande star comme Monsieur Merad, tu dis bon, attends, le bon moment pour lui dire que je l'aime bien. Tac. C'est quand il est en combinaison. Ouais, c'est ça. Ouais, là, il ne pourra rien dire. Voilà, donc je me suis approché, je lui ai dit, tu m'as tué de rire et je suis un grand fan. Et il m'a dit, merci, dégage. Et je suis avec ma femme, laisse-moi tranquille. Et non, il a été très sympa, il m'a dit merci beaucoup. Et on s'est recroisés après par la suite, par hasard, en bas de chez toi. J'attendais par hasard depuis 7 heures en bas de chez lui. Et, il est sorti et on s'est croisés, on a pris un verre. C'est vrai, hein. Ouais, ouais. Et parce que Kat, c'est un mec, il te connaît pas, mais il dit bah, tiens, t'es dans le quartier, on se prend un petit verre, on va bouffer. Et puis, de là, on a sympathisé. Il a été très sympa, il m'a proposé, c'était rappelé qu'on s'était déjà vu. Et en plus, t'as payé ce soir. C'est possible, comme d'habitude d'ailleurs. Pourquoi ce soir-là seulement? Parce que le reste du temps, je paye pas. Non, mais c'était ça s'est fait de manière très humaine. Voilà, très cool.